En haut. Ah, ils sont remontés. Ouais. D'accord. Alors, 1, 2, 3. Synchro caméra, 1, 2, 3. Voilà. Tu peux ouvrir maintenant si tu veux un peu. Mmh. Attention pour l'audio. 3, 2, 1. L'audio est lancé. 3 secondes, 5 secondes. L'audio est toujours lancé. Je ferme. Et on met sur le coussin, tout va bien. Voilà. Alors on respire. C'est pas plus mal aussi comme ça. Bon, alors celle-ci, il faudra qu'elle soit mise en haut tout à l'heure. Ok. Bon. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. Ok. L'autre, il est derrière nous. Bon, de toute façon, le temps qu'on vit notre vie, il sera barré 10 fois. C'est bien, c'est réglé. Par contre, c'était dommage, il n'y avait pas le, il y avait pas de bruit. Maintenant, il y a vraiment entendu. Bon. Ok, allez. Mise en route, donc la barre de traction, on n'en a même pas. L'horamètre, il est noté, les documents sont bons, siège réglé, verrouillé, frein de parc. Il est serré, les volets sont rentrés. C'est symétrique. La réchauffe carbu, elle est rangée, mixture, on la met en haut, toutes les servitudes sont off, les deux breakers sont principaux, bien. C'est ceux-là, ok, contact batterie on, donc, voilà, j'allais dire c'est le plein principal, mais c'est lui qui réagit pas, donc on a le complet ici, donc on a 2h30 de vol là-dessus, plus deux fois, au moins deux fois une demi-heure là-dessus. 20 minutes, ça va. Voilà. Plus que ça. Tu les avais mis au complet ce matin tous. Comment? Tu avais tout mis au complet ce matin. Oui. On a largement de quoi rentrer puisqu'on a 1h30. Là, l'arme est testée. Alors bon, c'est ça. L'anticol, il est au milieu. Verrière tirée, mais pas verrouillée. Les pieds sur les freins. Ah, par contre, la porte se recule un peu. Ah bah. Je ne vois jamais. Ça va, Jean-Luc? Ouais, ça va. Parce qu'en plus de ça, toi, tu peux encore reculer vu que tu n'as pas. Non, c'est bon. Moi, il peut reculer. Hein. Moi, t'as la marge. Hein. Ouais. Mais toi, tu peux. Ça, c'est pas. Ok. En fait, les pieds sont sur les freins, les magnétos sont sur bosse. On est sur le central. Alors, central, mixture, pompe, alternateur, batterie, bosse. Je tiens. 1, 2. On sent la voiture. 3. 4. Ok, non, voilà.
Personne devant, 3, 2, 1. Entend parler, c'est parfait, lui il s'active, no GPS position pour le moment. Donc là tu mets juste le BSH et puis ce don quoi. Évidemment. Voilà, 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 chauffe moteur 1200, l'alternateur donc il est on, lui elle est carrément dans le vert. Avionique master, sélection d'immense, ok, pompe. Off. Un peu de navigation, ça se fait. Dépression gyro, ok. Donc là on va chercher 2000 pieds. 1900 pieds même pour être certain de ne pas mordre dans la zone. La première route ça sera un 135. C'est course. Non c'est heading la course. Hein. Heading. Le fuel flow, ça c'est bon. Là je te laisse remettre donc. Nul, conservateur de cas, vérifier. Alors altitude, on est à combien ici? Et 580 quelque chose je crois. 500, mais 500 il va te donner le KNH tout à l'heure. Ouais, donc, KNH. Ok. Radio de Golf, le caravane, un petit bête de secours attaché. Pardon, on lui est attaché. Transpondeur, bon. De toute façon on bouge pas, on est sur jour sur Renault GPS position. Il va arriver, hein, tu peux... Ah y est, il est arrivé. Voilà. Bon, donc on les contacte, on va là-bas. Oui. Là, tu... Donc ça, c'est la carte. Alors attends, je vérifie. La carte, elle est bien. Comme il faut, parce que ce matin... Bobeuge. Voilà, c'est ça. Puis après, on fait ça. La radio, je fais la radio. Bah vas-y, fais la radio. En français, hein, je vais en français. Ouais. Number info de Fox Golf X-ray Oscar, bonjour. Fox Golf X-ray Oscar, bonjour. On attend piste 24 gauche, dernier clinage, c'est 1012. 1012, et on débute le roulage pour la piste 24 X-ray Oscar. 24 gauche. 24 gauche, X-ray Oscar. X-ray Oscar, juste pour rappel, après décollage, n'oubliez pas, virage à droite dès que possible pour éviter le survol de la localité en bout de piste. Merci pour l'information, c'est bien noté, X-ray Oscar. Alors, les deux freins fonctionnent. Virage à gauche, la bille part à droite, non elle part même pas à droite, les caps diminuent, l'horizon est stable, il bouge un petit peu. Virage à droite, les caps augmentent, la bille à gauche, l'horizon bouge pas.
Alors, où est-ce qu'il a dit ça, qu'il y avait un dégagement là? Donc ça, c'est une sortie de piste. Non, pas encore, mais peut-être... ça doit être un peu beau, en fait, hein, sans doute. Ouais. Voilà, température à la montée. Bah, c'est peut-être ça, là, non? Je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être ça, parce que regarde, ça fait un bloc, là, comme ça. Bon, ok. Pour les essais moteurs? Ouais. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Comme ça, ça permet de dégager la piste directe. Non. Une originalité du cercle du site. Ouais. Ok, donc. Freinage symétrie. 1000 tours. Les pieds sont sur les freins. 200. Dans l'axe, le frein de part qui se tire, il descend 6 litres dans le central, température. Alors la pression elle est montée, la température est quasiment ok. Dans d'essence, les commandes sont tenues, les pieds sont sur les freins, 2000 tours. Tant qu'il en veut le bestiau. 2000 tours. Mon père. 90 tantôt. Ah, la même chose. T'as eu la réchauffe, elle bouffe moins que les vanitos. Hop, fermé. On réduit tout. 700. Ah ben là, c'est un vrai 700 en fait. 70. Stable. Pas de détonation. 200 tours, ok. Bon, on va faire le briefing ici, puis après on roule et on partira comme ça. Alors, décollage, donc on est dans l'axe, donc puissance sur frein, température 25 degrés, donc on est sur l'ordre de 490 mètres pour atteindre les 15 mètres. Donc puissance sur frein, on décolle, on reste dans l'axe, on monte, dès qu'on a atteint la vitesse au moins 70 nœuds et 80 avec celui-ci, on seuille de piste au plus tard en principe, on fait 30 degrés droite pour intégrer l'avant arrière, on cherche la verticale, on se met 2000 pieds et la première route ça sera à 135 comme indiqué. Sur la pinule, vitesse de rotation 54, montée initiale 70, normal 80, même plus que pour celui-ci. La biroute, elle est où la biroute? Ok, on a un vent de travers de droite, une dizaine de nœuds, donc manche à droite au décollage. Ouais. Pas de risque aviaire ici, c'est plutôt dégagé. Ok, alors attends, je monte à l'île. Je vois là-bas, ici, le circuit vertical, d'accord, ça y est, bon. En cas de panne mineure, en cas de panne ou quoi que ce soit, avant la rotation, on freine, on sort, on prévient, panne mineure après la rotation. On fait donc la baïonnette, le machin, le circuit main droite, on revient se poser sur la 24 gauche. En cas de panne majeure après la rotation, on fait un atterrissage d'urgence secteur avant, béné, on a le temps. Et on ira certainement au-delà de la piste pour s'arrêter. Bon. La navigation, donc on a du 3000 pieds annoncé par Météo France ce matin. Le parachute, on a vu que c'était bureau, donc on a plus que 3000 a priori. C'est bon pour moi, vol pour 1h30, donc on doit arriver aux environs de 4h30 à l'œil. 4h30, entre 4h30 un peu plus même. Ok, c'est bon pour okay. D'ailleurs. Les caméras fonctionnent, c'est bon, donc on va pas dans les... T'as pas fait checklist, t'as fait tes checklists ici? Non, avant checklist décollage. Et j'ai fait ça. Checklist avant décollage. Ouais, ah oui, tu veux dire celle-là, non, effectivement. Je suis passé directement en contact magnéto, merci Johan. Batterie alternateur, vérifier. Elle est bien en haut. Sens, l'autonomie, l'horizon, les commandes. La pédale.
compensateur. Et ceinture harnais attachée, pompe sur on. Grande volée, gauche, droite, là. Derrière, prise pendule dans le vert. Température elle est bonne, brise, décollage, tout ça. Ah, j'ai ton micro qui coupe, par moment je t'entends pas. Ah d'accord, mais ça dépend, c'est peut-être moi qui parle pas bien dans le... Ah, attends. Voilà. Nommé radio de Fox de Golf Zulu de Caravan, largage nord, 5 minutes pour 25. Il y a toutes les stations, Nami Radio, largage para dans 5 minutes. All station, Nami Radio, para drop in 5 minutes. Ah. C'est bien reçu pour le X-ray Oscar de Fab. Donc, roulage, nous allons franchir le seuil 24 gauche et décoller pas d'appareil dans le seuil a priori. Alors, n'oubliez pas, après décollage, de quand vous êtes sur la fréquence du service d'information de vol, Bruxelles Information, d'activer votre plan de vol sur la fréquence 126.9. C'est bien reçu, merci. Donc, vu le largage parachute, on va rebattre la verticale, on va faire le circuit. Il faut éviter absolument de passer au sud-sud-est du terrain, là où trouve la zone de largage. Sud-sud-est du terrain. Donc, on est OK pour la verticale, alors? Non, il vaut mieux pas. Alors, je vous suggère à ce moment-là de tout virer à droite. Et quand vous serez virage à droite, vous reprenez... Vous évitez le village en contournant, en rentrant vers la gauche et vous situez vers le sud après. Donc vous contournez le village pour aller vers le sud ensuite. Donc on se met sur la vente arrière, on contourne le village et on va sur le sud. Correct. Vous pouvez décoller maintenant, mirage à droite. Prenez le cap vers les éoliennes et une fois que vous serez autour des éoliennes, vous verrez à gauche pour prendre un cap sud en contournant le village. Ah ok, d'accord, donc sud par la gauche du village au niveau vers les éoliennes. Ok, c'est bien reçu, merci. Restez en dessous de 2000 pieds. En dessous, oui. Ok, donc on est dans l'axe. On a dit puissance sur frein. Toute la puissance affichée, talon plancher. Attention au vent. Vers le grand à droite. Ah, plutôt dans l'axe, pardon. Pas d'alarme. Le badin est actif. Vitesse, 70 nœuds, on prend la vitesse, on est largement bon, 80, et là on vire. La Murix Oscar a décollé, donc on fait le virage à droite. Je suis encore un petit peu sur la fréquence. La Muradio, je crois que comme vous le dites, on va s'engager dans 2 minutes. Attention les éoliennes, Oscar, vous pouvez légèrement maintenant tourner à gauche pour contourner le village et ensuite prenez un cap vers le sud. C'est bien reçu, on vire à gauche, cap au sud, merci. Maintenant tu peux rentrer les volets. Plus de volets, plus de pompes, plus de volets. Oscar a affiché 2000 transpondeurs et communiquez dès maintenant avec Bruxelles Information 126.9 et n'oubliez pas d'activer votre pompe vol. Tout bien reçu, merci pour X-Poster. Bonne fin de journée, bon vol, merci pour l'accueil. Je fais la radio. Brussels information from Fox Golf, Mike X-Ray, Oscar, good morning. Fox Golf, Mike X-Ray, Oscar, what's your information, good afternoon? Fox Golf, Mike X-Ray, Oscar, Aerovendi, are 400 sea people on board the F-Fry flight with flight plan. We would like to activate our flight plan destination Lorient in Paris. Foxtrot, X-ray Oscar, identified in original QNH 1011, will activate your flight plan. 1011 on QNH, for spoken 2000, and thank you. First destination, Fox 5, UFO 14 target nearby, is again for landing maybe frequency. Donc on est parti à 15h03 je pense, 02 même. Non, 03.
Voilà pour la première branche. Et la zone de largage. Donc je vais viser le grand terrain vert là-bas. Je pense qu'on sera assez au sud. De toute façon, on a Namur. On peut commencer par un gestion d'essence, si tu veux. Ouais, d'accord. Je fais 20 minutes. 20 minutes. Ok. Alors, attention à la pompe ici. Gauche, gauche. 3, 2, 1. On est à gauche. Okay. 20 minutes, c'est parti. 20.05. Ouais. Ça roule. C'est parti. Merci. Ok, on va se tester 1900. X-ray Oscar, this is 215. Fox Hot, X-ray Oscar, your flight plan is active. Roger, our flight plan is active, make sure, sir. Ok, on est parallèle à la route, c'est parfait. On l'envoie bien, Namur. Ouais, il y a une antenne, tu vois l'antenne en rouge et blanc là-bas. Ouais. Ça sera un peu mieux de l'éviter. Tu veux pas aller voir s'il y a quelqu'un en haut? Non, ça va. Bon allez, donc on est 2005, tout est dans le vert, tout va bien, 2005 on a dit, voilà. Je vais essayer s'il fait du bruit ou pas. Ah bon, on va le laisser. Ça va. Alors, 2300, on va pouvoir monter un peu maintenant. On voit pas de bonhomme qui tombe, donc tout va bien. On est au-dessus de l'antenne. On passe au-dessus des villes. Voilà. 2300 altitude de croisière atteinte. C'est joli par ici. Ouais, c'est très joli. On a une belle écluse là. Pas une écluse en fait. Là-bas on a la Terra, enfin la CTR de Florène. Voilà. Brussels information, Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Delta Whiskey Whiskey, Brussels information. Okay, Delta Whiskey Whiskey, could you please confirm if Major Aries Delta 29er is active? Delta Whiskey Whiskey is not active. Copy to Delta Echo Lima Whiskey Whiskey. Nickel.
faire une convergence plus accentuée, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà. N'as-tu pas passé la carte, Jean-Luc, s'il te plaît? Oui, j'ai mis sur Switchy, la chauffeur, il me met tout 5 ans. Charlie, écoute. Ok, ligne de chemin de fer en dessous, on est là. On a une route, ici. Donc on est là, regarde, exactement là. Écoutez, il y a les éoliennes. Ok, ça se passe bien. Donc je fais l'autre côté de la route. Route 135, ouais. Et je prends le 135. Ruffles info, Oscar Oscar Romain November, Yankee request for interchange for Cahill. Voilà. Merde, il est calé tout seul là. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il affiche seulement 120. Correct, ouais, normalement c'est plutôt 125. Là, il est mis aussi 115, 120. Oui, 120. 120, en fait, quand le max c'est 0,5, c'est jamais plus. Moi, c'est un peu à 120. C'est un... à la vitesse sol de 130. Ok. On croise une autre route en dessous dans ces Donc on va avoir Rochefort devant nous, une ville. On est en 3 minutes, légèrement sur notre gauche, Rochefort. Ouais. Merde, là j'ai complètement en dérivé là. Oscar, Mike, we go Fox, Fox. Bon, ben finalement, c'est la couche attendue, hein, elle est là. La visibilité est meilleure que ce matin. On n'a plus de... Good afternoon. VFR flight from Echo Bravo 07.
to Echo Bravo Sierra Hotel via Echo Bravo Bravo Tango for an approach exercise requesting flight information service Oscar Oscar Mike Victor Fox Hotel. Oscar Victor Fox Hotel, are you transponder equipped? I have no radar contact. On dépasse Saint-Hubert, on fait une descente, on vise ce point-là et ensuite on cherche l'alignement. C'est pour ça que j'ai mis le point en avant, un peu haut. Ok. Et pour avoir le temps de prendre l'axe, je viens s'aligner sur la ville en fait. Ah oui, mais bon, pour moi c'est approximatif, je viens de le mettre. Non, ouais. Oui, mais moi je l'ai ici là. Voilà, ça, ça doit être Rochefort. Oui. Donc je reste volontairement au sud de la trace, pour rester au sud de Saint-Hubert. À l'ouest et au sud. 2300, c'est bien. Grosse carrière à gauche, là. C'est pas la même qu'on a vue. Elle était beaucoup plus grosse celle qu'on a vue tout à l'heure. C'était bien sympa. Très bien. Florian sympa, Olivier très sympa aussi. Ouais. Petite découverte des terrains de Namur, historique et tout, là, les petits locaux. L'explication d'Olivier, c'était excellent, très très bien. Donc maintenant, on connaît l'appareil, donc il a dit quoi? Oscar Tango, Oscar Kilo Sierra Tango, je suis leaving, Sierra Tango, Oscar Sierra Tango, Bravo 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 Sierra Tango, Bravo
Il a un trafic, il a dit oui. Oscar, Sierra Charlie Bravo, identified, regional QNH 1011. Il y a un trafic au départ de Saint-Hubert. Regional QNH 1011, Oscar Charlie Bravo. En 161 pour Pinotti. Juliet Alpha Tango Echo, approaching FIR boundary, frequency change boost, Mike. Je vais monter encore un peu là. Ce qui est jaune, c'est limite. Hein. En jaune, donc c'est la limite de sécurité, donc... D'accord. Je montre un peu que ça, le jaune disparaisse. D'accord. Du rouge, on veut descendre. En rouge, oui, c'est pas bien. C'est trop tard, si tu vas en rouge, c'est trop tard. Ah bon. Oscar, Sierra Tango Yankee, plus information, good afternoon. Good afternoon, Sierra Tango Yankee, VFR flight from Grasshopper to New Zealand. On va chercher le rouge. Bon, à gauche, le terrain Saint-Hubert. Là, on aurait dû aller. On n'aurait pas vu. Et il y a du simple, là. Fox Juliet, Alpha Tango Echo, frequency change boost, Mike. Bye bye. Oh, c'est bon, ça, merci. Ok, 21. Donc ça fait 26, ça fait 20 minutes. Ouais, j'arrive pas à remonter l'alerte. Complete, Oscar, Oscar, Kilo, Sierra Tango. Ah non, on a mis 4 minutes. Personal information, Delta, Echo, Lima, Whiskey, Whiskey. Delta, Whiskey, Whiskey, personal information. Ok, Delta, on a Echo, could you please confirm if danger area 26 is active? Danger 26, not active? Not active. Ah non, maintenant on cherche. En 60, on a dit. On a un vent de droite, il faut compenser au moins 165-166 degrés. 67, mais ouais. Ok, donc on a une grande route là. Donc à 5 minutes, on est chez Maurice. Et attention, on relève devant toi. Pas moins de 2005 là, on a. Alors attends, là je suis en train. Là, parce que là, je suis pile sur la tranche. Ok. Oscar, Oscar, Sierra Tango Yankee, your flight is active, frequency change approved, so like. Donc la grande route, on la laisse sur la droite. Hein. Ah c'est ça, voilà. C'est bien là. On a un petit peu baladé, c'est normal. Voilà, tu vois, regarde. Donc on est ici. Cette route, elle enjoint une autre. C'est là qu'on va intercepter. Et on y arrivera dessus quand on verra la ligne de chemin de fer, on fera une minute. Peut-être. Ouais, une bonne minute. Là-bas on a un avis de bah je sais pas quoi. Quel kit. Bon bah j'espère que Maurice il est dans les parages. Encore 3 minutes. 4 minutes. Hein. La route suivante, ça sera à 205. Hein. Donc on plongera sur deux châteaux. Il doit apparaître là. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, frequency change to Saint-Pierre 1218. Delta Echo Lima Whiskey Whiskey, frequency change approved, so like. Frequency change approved. Okay. Delta donc Whiskey. Donc on a cette grande ville là. On va avoir une ligne de chemin de fer dans pas longtemps. Oscar, Oscar, Victor, Papa Echo, frequency change approved, so like. On doit voir les éoliennes aussi. Hop, on a une route qui passe, ok. On va passer une petite route et on va voir la voie de chemin de fer dessous dans pas longtemps là. Donc on continue. Un petit peu dérivé sur la gauche. Ah, le chemin de fer qu'on arrive là à côté des arbres. Ouais. Là on arrive sur le chemin de fer je pense. Hein. D'accord. Non, c'est pas un chemin de fer ça. Non, c'est une route, c'est pas un chemin.
Roger, okay, on arrive sur l'autoroute là dans pas longtemps. Ça doit être ça ici. Ah, ça y est, visuel sur l'autoroute. Voilà. Alors, attends, voir. Faut que je reconnaisse ce que je cherchais. On arrive à 20 minutes, hein. Ouais, ouais. On change de réservoir. On pompe. Directement, on va appuyer à droite. Voilà. À droite, c'est bon. Ouais. Pompe, pompe off. Ok. Pompe off. Encore 20 minutes, s'il te plaît. Ok. Voilà, c'est bâché devant nous. Pas beau. Ouais, alors, c'est pas bon, hein. On va aller à droite. En tout cas, on va aller à droite. Alors. Oscar, Mike Vicksburg, Foxtrot requesting to leave the frequency for 1-2-2-0-1-8-0. Oscar, Mike, Victor, Foxtrot, frequency change approved, Mike. Bye-bye, thank you. Merci, peut-être. Rapide. Ouais, mais là tu dois peut-être plutôt regarder où on passe, oui, parce que... D'accord, peut-être à droite en... Ah oui, mais il faut pas non plus que j'aille trop loin par rapport à mes repères, sinon j'ai une mauvaise. Non, non, t'inquiète, on va te guider. Voilà, mais ils se foutent dans le relief alors qu'il n'y a plus rien en visibilité. Bon, ça doit être le château alors. Alors, on aurait dû être juste de l'autre côté en fait. Ouais, mais... Sauf qu'on a plus. Alors il se disait que c'était bâché. Non, 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 mais... Il y aura la preuve en caméra qu'on a fait effort pour le voir, mais c'est pas beau. Ouais. Et là, franchement, c'est dégueu. Ouais. Ok, donc on l'a passé, il est 27. Je pense qu'on est tapé... On a 20 notifs, ça fait 37. Dans 10 minutes, on est à la frontière. On est en route, on va sur le 233 là. 233, et dans 6 minutes, on est à la frontière. Donc, on est 2500 tours, tout est dans le vert. Ouais. On voit la voie de chemin de fer qui fait ça. Et là on peut faire ça droit. On est sur l'axe.
Alors, on est sur bon axe. Par contre, on n'est pas sur la bonne route, sur le wake-up. Voilà, 233, voilà. Et j'ai mis Paris Info, nickel. Dans 4 minutes aux frontières. La forêt ici. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on monte un peu. Ouais. Les instruments sont dans le vert. Oui, ouais. La pression et température dans le vert. Pression d'essence dans le vert. Électricité dans le vert. On a vidé le réservoir de gauche. On est en train de vider le droit et le central est complet. Et 2500 tours. 2500 tours de plus. Bon, il faut se poser, là on a droit à un avertissage. Romeo Alpha Delta, plus information, good afternoon. Ah non, plus lent, non, pas longtemps, on se met bon. Regarde, il y a un terrain de fortune à droite, là, il est impeccable celui-là. Ouais. Le vent il vient de là, comme ça, il faut y arriver. Peut-être les aimerais sur l'arbre, on touche pas un peu la prochaine. En plus on peut s'arrêter dans l'eau. Sur l'eau, je pense que les ailes vont rester raccrochées dans les arbres, on touche pas l'eau. Ouais, non mais c'est pour ça, donc on est tranquille. Oui, on attend les secours, on va la prendre. On prend pas la flotte. Voilà. 2 minutes. Au moins maintenant c'est ancrage, on crache chez nous. Par contre 230 c'est dangereux. Cross Oscar Sierra Charlie Charlie, have a sharp lookout for traffic at your 10 o'clock. 1 mile, left to right, indicating 1,400 feet, not in contact. Charlie. Roger. Donc cette masse est en train de dégager, partir, il y a un autre qui va donc... Pour le moment ça va, alors... Echo Oscar November, plus information, good afternoon. Ça, on va vers nucléaire là-bas, c'est bien. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une rivière au-dessus. On va avoir une route bien droite, ça. Regarde, t'as vu, on est pile sur ici. C'est la première et probablement la dernière fois que je vole en Belgique, moi. Les frontières. Après, j'ai volé en Suisse. Par exemple. Hotel Romeo Alpha Delta, your flight pattern is active, approaching the fair boundary, frequency change approved, right? Ouais, à gauche, t'as rien en visite. Hotel Romeo Alpha Charlie, bus information, goedemiddag. Papa Hotel Romeo Alpha Charlie, identified regional QNH 1011, set clock 2000 and will activate your flight plan. Early, because I received a flight plan for Papa Hotel to Romeo Alpha Delta. I've got an information from XA Oscar to Lidio frequency. Foxhot call from XA Oscar, frequency change approved, bye. Change frequency approved, we contact Paris, thank you, goodbye. Paris-Nord, tu as l'information. Tu as traversé la frontière là? Oui.
Paris Info de Fox X-Oscar, bonjour. Paris Information du Fox X-Oscar, bonjour. Bon, ils veulent pas. En 25-7, on va attendre... Dans 2 minutes, on est à 7. Charlie Tango, par info. Charlie Tango. Pour information, dans vos pays, que... Peut-être qu'on est encore... Je vais prendre les volets. Oui. Sedan. Charlie Tango. Merci. Sedan, je vois Sedan, oui. Donc on arrive, il est 36. Prochaine route 221, Épernay pour 54 nautiques. Altitude de sécurité 1800, 2400 pour 10 000. On y est. Bon alors je vais faire mon alignement tout qui est en cause. On voit rien dans, dans les secteurs. Hein. Je confirme, on voit rien parce qu'il n'y a pas de paysage. Non mais je dis ah, sur la gauche, sur la gauche tu vois que dalle. Ah, mais c'est là-bas qu'il faut aller alors. Ah, t'en es bien capable. Quand tu seras qualifié IFR. Simplement tu nous déposes quelque part. On est deux pilotes à bord. Non, je suis pas sûr. Mais dans le trafic maintenant. On a le droit de dire deux fois plus de conneries. C'est bien. Et j'ai pas vu à Charlie Tango. Il sera croisé, je pense. Essaye de le reprendre. Et quel terrain ça? Dedans. Il y a Israël. Mira Juliette. D'accord. Sedan 12 ça s'appelle. D'accord. Ça sert à India, India, Israël. Non, là, je vais penser à Arthur parce qu'on a fait un vol au départ de Sedan une fois. Ok, continue, we move on 119 en fait, on est déjà dans l'axe. Continue, move 119 C'est même pas drôle, regarde, on est déjà sur l'axe, c'est même pas de manœuvre à faire. Ok, il est 37. 54, ça fait 27, ça fait 50, non, mais ça fait 34. 34. 4. Vert, vert. 5. Donc là il nous reste encore 10 minutes, 10 minutes, 9 minutes, c'est ça? Un peu moins je pense. Attends, je regarde. On voit bien le terrain derrière, regarde. Ouais. Une belle piste, il hein, reste 8 minutes. 8 ouais, minutes. Paris Information du Fox Golf Mike X-Oscar, bonjour. Fox Golf Mike X-Oscar, Paris Info, bonjour. Paris Information Fox Golf Mike X-Oscar, DR400, 3 personnes à bord. Nous avons décollé de Namur en Belgique, Echo Bravo November Mike. Sous plan de vol, nous sommes à destination de Logne, Papa Lima, 2400 pieds, 7000 transpondeurs pour 150 avec nous. Bien pris, transpondeur 70-20. 70-20 affiché transpondeur pour l'époque. Hein. On a 25 minutes de vol. Pour Reims? Pour Reims, on a 16-2, alors peut-être un peu plus parce qu'on a un vent légèrement... on a quasiment 10 nœuds de face. Hein. Regarde, grande speed, on est 110. Hein. Donc non, ça se fait un peu plus long. Ça se fait plutôt... ouais, bon. Moi je dis qu'on est environ 0,6. Me laisse pas déborder. Il y a Maurice qui demande où on est maintenant.
Bah maintenant tu dis qu'on a passé Sedan. Aucun 3700 pieds à Orly. Oui. Entre 18h, voilà, oui, donc la pluie a pas. Je pense qu'on va aller faire un vol d'une bonne heure de plus histoire d'arriver sous le gaz. Sous le gaz, c'est oui, à 20h local, 18h au TC. Bon, donc on va rentrer direct alors. Quoique si on fait une heure de plus, j'ai quasiment terminé mes heures avant la nuit. À quelle hauteur sont les nuages? Non. Quand t'as envie de monter les voir? Moi je veux non, savoir. Parce que tout à l'heure on a déjà failli aller voir le mur de nuages. Ouais. Ah oui, mais c'était bien ça au moins. Ouais, bien sûr. On a un canal à droite là. Merci. C'est-à-dire que si je cherche les infos cartographiques sur le log, ça va pas là. Tout droit maintenant, tout droit. Hop là. Mais bon, t'as le nez de l'avion dans Reims. En devant le nez de l'avion dans le vecteur vitesse dans 20 minutes. Quoi ça toi? Mais c'est bon, voilà, l'intrige noir. Ah oui d'accord, oui. C'est-à-dire avec 10-15 minutes, mais Reims il est là. Bon, toi t'as pris Reims toi? Oui. Ah, t'as pas Reims toi? Non, c'est Pernay qu'on va prendre. Pernay, ok, pardon. Raison, reste les deux, c'est l'autre endroit. Hôtel Oscar Tango, Oscar Tango. Ah tiens, par contre là, regarde, on a une grosse rivière là. Cette personne apporte un petit simple de 18 en provenant du dans le local au niveau du bord de Bray. On a actuellement 2000 degrés d'action 1014 en direction de Coulonnier et ça sera pour un retour sur Logne. Donc ça c'est le canal, on le voit bien. J'ai reçu transpondeur 70-12. 70-12 au transpondeur, par contre, c'est pour vous. Vous êtes identifié mode tir. Identifié. X-ray Oscar, vous êtes identifié radar. J'ai reçu pour X-ray Oscar, merci. D'accord, ça c'est l'étang en fait. C'est pas le canal, c'est l'étang. Ouais, ok. Donc là. Ah ben oui, d'accord. Tiens, tu vas pas mettre. Ah, il y a un point de Victor Alpha. Tu peux mettre quoi? Éperné plutôt que Reims. Victor Alpha, par info, bonjour monsieur. Et moi je te bonjour, Fox Victor Alpha, DR400 avec deux personnes à bord. On est parti de Moret-sur-Loing, il m'a Fox Papa 810. On va tarder à arriver sur Auxerre. Et on n'arrive pas à quitter avec votre collègue de 120-325. C'était pour prévenir qu'on voudrait quitter, s'il vous plaît. C'est bien pris, je lui téléphone et je lui passe le message. Je vous remercie monsieur. Vous confirmez qu'on peut quitter, vous êtes sur Auxerre? Oui, pas de soucis. Je vous remercie, donc 7000 et on quitte sur Auxerre. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Rien faux, bonjour, le Fox Alpha Yankee, JF Bravo. Je vous rappelle, JF Bravo. Une belle piste d'atterrissage, là. Dans l'axe du vent en plus. Voilà, comme ça, je comprends mieux. L'emploi du Fox Alpha Yankee, on descend. Bien plus à droite. Voilà, et perdu. JS Bravo, je vous écoute. On s'est fait un petit JS Bravo, on fait des prendre de personnes à bord. Vous avez voulu me faire sur Belin. Je vais aller à l'armée n'importe où. J'ai pas réussi à. On va voir cet arrêt de l'espace. J'ai pris transport 70-10. Ah, de toute façon, la carte. Tu as bien suivi. J'ai pas réussi. Oui, alors on prend bien d'Europe. On trouvait qu'on était trop près du lac en étant à gauche du trait. Puis c'est moi ce merdier.
encore 10 degrés à droite peut-être. Rien trop de Fox Oscar Kilo Charlie Papa, bonjour. Là, je vais prendre Allez à Rennes. Oui, Charlie Papa, merci. C'est parfait. Après Rennes, on a vu.
on a vu une grosse fumée, on a pensé que c'était l'incendie. Et il y a un avion qui a annoncé à la tour, attention, il y a un incendie à Paris. Il a annoncé, il a joint Romeo 63, il a des entraînements militaires, il lance des bombes. Et... Ah bah il devait bien s'entraîner. Mais je comprends rien à vous deux, on dirait un incendie quoi, alors grosse fumée quoi. Devant là-bas, ça doit être les montagnes de Raf. Et Philippot qui demande si en Belgique la TC est en français ou en anglais. Bah, les deux. Oh, les deux, oui. Pour eux, c'est en anglais, oui. Les aérodromes privés, ouais. C'est français. Oscar, j'écoute. Vous avez quoi en retour sur XM sur 123, 25 et 7000 au transpondeur. C'est bien reçu en bascule. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Bonne fin de vol, monsieur, au revoir. C'est info. C'est l'information du Fox Golf Mike X Oscar, bonjour. C'est Golf Mike X Oscar, bonjour. C'est l'info, Fox Golf Mike. R400, 3 personnes à bord. Au départ de Namur en Belgique, à destination de Logne, Papa Lima, 3000 pieds pour passer en fréquence avec vous. Fox Golf Mike X-ray Oscar, identifié, affiché, transpondeur 3, 4, 5 unités. 3, 4, 5 unités affichées au transpondeur pour toi. Oh.
Ah ben tiens, ça c'est le rythme en belon là. On est encore un peu loin peut-être. Bah quoique. Ah non, regarde, c'est Morbelon, ça, ça va mettre autre chose. Le Golf Mike X-ray Oscar, je voulais juste vous informer que la piste à Lognes était fermée pour le moment à cause d'un crash, donc prévoyez peut-être un déroutement de l'un ou ailleurs. Vous avez bien reçu pour la fermeture de Lognes, donc on attendra les informations lors du jour. Merci. Donc on va mettre ça à Colombier. Bah ouais, faut qu'on se prenne à Colombier. J'espère que rien de grave. Fox Oscar Novembre. Oscar Novembre, j'écoute. On est à 5 minutes de Pontargis pour passer sur 7000 et quitter votre fréquence. Oscar Novembre, le largueur para est au sol. Vous pouvez passer 7000 et quitter. Au revoir. Au revoir, madame, merci. Fox Alpha Yankee Juliette Bravo, identifié radar. C'est bon, nom, merci. Donc on prépare à Colombier. Golf Tango Papa Hotel en sortie, affiché 7000, la suite avec Paris Info 126 décimales unité. Au revoir. Paris Info, 126 unités, merci, au revoir. À la carte VAC de Colombie. Oui. Oui, mais je connais le circuit par cœur. C'est Golf Charlie, uniforme 2 fois, bonjour. Golf Charlie, uniforme 2 fois, bonjour. DR400, 3 personnes à bord, on décolle de Briard à destination Saumur, actuellement à 2000 pieds. On a vu le terrain de Morbelon, il est bien. Bah, c'est bien, ça fait... Ah, j'avais vu aussi. Golf Charlie, uniforme 2 fois, identifié, affiché 70-30. 70-30, Fox, Golf, Charlie, uniforme 2 fois. Merci. Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, regarde, on attend, mais de toute façon, je les connais donc. Ouais, mais regarde. T'as vu Jean-Luc à droite, terrain militaire. Ouais, mais c'est ce que tu disais, je pense que c'est mon melon. Ouais, ouais, ouais. On est passé l'autre fois de près. Ouais, mais on était quand même assez loin de l'autre côté, il était ouais. Sur notre gauche. Ouais, c'est ouais. La première fois qu'on le voit aussi bien. Je vois pas, c'est où, il est où? Hein, bah, ouais. Là. Tout l'espace vert foncé, là, c'est le terrain de Morbelon. Ah oui, c'est ça, la R63. Ouais. C'est ici qu'était la fumée l'autre fois. C'est ça. Ouais, on avait dû contourner. Nous, on était passé à gauche, en fait. Enfin, à gauche. On l'avait sur notre gauche, sinon on était de l'autre côté. On était beaucoup plus loin. On devait être à facilement 5-6 nautiques. Sur le net. Hein. Oui, ça peut être un petit train, une sortie de piste ou... Ouais, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Et là, j'ai demandé un polo. Je vais poser la question.
Fox Delta Oscar affiché 7000 et 123, décimal 725, au revoir. 7000, au revoir, merci pour le carnet. Wilfred Québec Tango, activité parachutage sur Montargis. Pour l'instant, les largeurs sont au sol. Oui, c'est ça, Québec Tango. Québec Tango, rappelez-moi pour pas t'entrer contre Montargis. On rappelle ça, Québec Tango. Je vais confirmer, Hugo en train d'écrire, Colomiers est Logne est fermé. On n'a pas plus de détails. Je pense Hugo qui est sur place est en train d'écrire, il va donner en face. D'accord. J'espère que c'est rien de grave, pas de blessé. Salut Jean-Luc. Campagne là. Ah oui. C'est beau hein. Ouais, c'est beau. Ah, il y a de la vigne là, j'ai l'impression. Ah ben là, un peu, ouais. Vu d'au-dessus, ça y ressemble. Oups, passé 172, passé sous les lignes de tension et aurait tapé des voitures. Ça marche. Comment il a vu ça? Non, je sais pas, il en a dit là. L'atterrissage... Donc il est pas sur le terrain même alors? Non, je sais pas. J'espère que c'est pas à cause de plafond. Alors je pense avoir un visuel sur EPRD qui est là. Poste Québec Tango, on est en vue de montage pour quitter. Québec Tango 7000 et quitter, au revoir. Après EPRD, ça sera du 2500. Au revoir. Fox X-ray Oscar, un trafic à vous signaler qui peut être mis d'une heure pour 5 nautiques. Gauche vers droite 900 pieds en descente, un SR20. C'est bien reçu pour le X-ray Oscar, donc le 6 descend, ben on reste à constant alors. Sachant qu'elle me dit ça parce qu'elle pense que je vais aller tout droit, mais comment on va virer? Tu
m'envoies la photo? J'ai envoyé sur le groupe. Ah d'accord. Ah mais c'est pas le même groupe. Aéroport bleu. Alors, 6 Zulu, Yankee, contact the goal arrival, 1-2-1-5-5, bye bye. 1-2-1-5-5, bye bye. Absolument pas, et je vois personne tourner dans le circuit pour le moment. J'ai bien pris, merci. Bah, on est à 6 minutes, là on va quitter, on va passer sur l'essence. Reçu, transpondeur 7000 quitté, au revoir. C'est pour contrôle dans 20, 68 ans. LFFH, d'accord, ok. Décidément, t'as choisi de paumer, Johan. Comment? T'as décidé de le paumer, hein. Ah, pourquoi? Ben parce que t'as marqué LFFH. Qu'est-ce que tu vois à la place? Et c'est LM après. Comment? LM après. LM. Ah, ok. Non, ça veut dire, mais ça ressemble à rien du tout à ce qu'il montre, lui. Oui, mais c'est notre destination, Colomiers. Ouais. Donc je vais mettre directement la diverte au Colomiers maintenant. Bah maintenant, oui. Et encore à gauche, c'est super joli, Jean-Luc. Ouais, c'est magnifique. Oh, il est dans la Champagne, hein. Donc la ville de Pernay à droite. Voilà, 255. LFPK. Ouais. Ah ben voilà, et là je suis sur le trait. Donc je prends un 255 et il me dit que c'est encore à droite. Je vire 275. Mais attends, c'est pas possible. Ouais, mais là c'est un de reprend. Oui mais c'est normal, c'est parce que tout à l'heure t'avais donné Reims. Donc t'as dû dire Reims, Château Thierry. Bon t'as vu, je suis un petit peu descendu. Hein. Où c'est qu'on est dans cette histoire là. Voilà. Oh non. On a un vent de face de 13 nœuds. Donc là tous les vignobles ils sont là. Pas tous les vignobles, il y en a beaucoup là. Allez, 2600 des viens. Reste de face. C'est bien, ça nous ralentit, mais bon. Ça faisait un bail qu'on n'était pas venu par ici. Ouais, c'est vrai. Une année, on avait fait 2-3 vols secteur Est, là. Bon, sur l'espace de 2 ans. Enfin, deux étés différents, quoi. Enfin, qui se suivent. Delta Echo Whiskey Hotel Fox, leaving my airspace, Cook 7000, 10 contact Paris information, 125.7, bye bye. 7000, 1-5, 7000, 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 7000
Est-ce que ça doit être dans l'axe de piste? Là, vu ce que j'ai. Et l'autoroute, c'est pas du tout dans l'axe de piste. Hein. La 26, c'est 26, on arrive... Ouais. La 104. 4, ouais. Ah oui, ah ben d'accord, ah oui, le... ah oui, d'accord. Oui, je pensais pas à la 4, hein, je pensais à la 104. D'accord. Deux mondes à Colombien, hein, quand... Ah ben là oui. En 19 minutes, Colombien, c'est ce qui prend 18 minutes. Quand t'as le vent de face, c'est que t'as plus besoin, ah si quand même, un petit peu, je viens de mettre du pied, un peu quand même, le maintien... Le vent de face, j'ai le bravo, on a libéré le 65, on est au 40. Au-dessus, j'ai bravo, un QNH régional 1014. 14, bien pris, j'ai le bravo. Alors, il y a toute une série de petits étangs là, enfin de petits... relatif à ce qu'ils en parlent pas ça. Sachant que là on est à un quart d'heure de Coulommiers. Ça ressemble à la tour qu'on connaît, ça. C'est du Fox Golf 2 Poids Novembre, Victor Boulon. C'est l'information du Fox Hotel Papa India Alpha, bonjour. Un avion de Lunéville. Lunéville. Dis donc. Camp Colombier n'est pas actif. Camp Colombier n'est pas contrôlé. Faut pas oublier qu'on appelle et faut clôturer le plan de vol. Ouais. Fox Hotel, Papa India Alpha, bonjour. Et, Papa Novembre, 2 minutes 10, 115. Papa Novembre, Québec Tango dans le circuit, vous l'avez en deuxième écoute? Bien sûr. Reçu Papa Novembre, en fonction d'un gaz approuvé, appelé en descente. En descente, Papa Novembre. It's Mike Charlie, any chance we can expect the Basel Lobo, please? It's Mike Charlie, we'll see that in next, on next frequency, I'll call you back in 2 minutes, so switch. Let's copy.
Fox Papa Mike, bonjour. Fox Papa Mike, je vous rappelle. Fox Golf Mike X-Ray Oscar en sortie de mes zones, passé 7000 et avec Paris Info sur 126 décimales unités et donc toujours pas de nouvelles de Logne. A priori, les derniers qui se sont rapprochés ont tous fait demi-tour. Très bien reçu, Fox X-Ray Oscar, on passe avec Paris Info en 126 unités et reçu pour Logne. Bonne fin de journée, au revoir. Également. Fox Papa Mike, je vous écoute. Et le Fox Golf, bonjour Papa Mike, VR400 est à vous. Information du Fox X-Ray Oscar, bonjour. X-Ray Oscar, bonjour. Paris Information, Fox Golf Mike X-Ray Oscar, DR400. Trois personnes à bord en provenance de Namur en Belgique à destination de Logne, en plus exactement de Coulommiers, puisqu'il y a un problème sur le terrain. Donc nous visons Coulommiers, 2700 pieds pour passer en fréquence avec vous. 70-20. 70 ans affiché X-Ray Oscar. C'est pareil, le Fox Nord direct, petite question à chaussée, si les Roméo n'ont pas entendu les enfants à côté de Château-Thierry, s'il vous plaît. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ouais, comme ça, ouais, au hasard. Alors, on n'a pas d'activité connue pour ces deux zones, 31 et 32. Et c'est copié, merci. Un petit peu loin quand même. Un petit peu loin quand même. Alors on fait du tour de piste à Château-Thierry, puis on va se toucher. Hop, on va une fois, deux fois, trois fois. Déjà posé à Coulommiers. Oui. Oui, oh là là. Bah, c'est un terrain de formation, donc on regarde plus le nombre de tours de piste qu'on a fait à Coulommiers. Alors Novembre-Québec, vous allez contacter Sten, 134-875. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va se poser avec 134-875. Si le terrain reste formé et il y a quelqu'un qui va venir le chercher en voiture, Coulommiers est beaucoup plus proche. Problème. Donc Coulommiers c'est plus proche, il va venir le chercher en voiture. Apollo pourrait venir si on doit laisser l'avion. Ça se passe comment après pour le rapatriement de l'avion? On verra, moi je travaille demain, je ne peux pas, mais... Ah, Denver, Papa Sierra. Un instructeur va aller à... Papa Sierra, j'écoute. Sten, 120, 325... Elles sont là, c'est indépendant de votre volonté, hein. 325, ouais, direct, oui, mais... je vous remercie, au revoir. Ah oui, bien sûr, oui, non, il faut laisser à Coulommiers, on laisse à Coulommiers après. On utilisera, je crois, l'assurance... on peut prendre des taxis, oui, on peut prendre des taxis avec l'assurance AFMA, rentrer à Coulommiers, allons-y. On paierait l'assurance, ouais. Bah, je pense, oui. Après, si l'Olive, il va attendre une heure et le terrain sera ouvert, on va attendre, mais... Bon, après, à côté de ça, il est 4h, hein, donc 4h30. On a le temps. On a le temps. Heureusement, on a voté ce matin. Oui, ça c'est bien, ouais, parce que moi, j'ai hésité, je dis... Ah non, il faut pas hésiter, hein. Ouais. Et Paris Info, Fox, Yves Formé, on quitte la fréquence pour passer avec Valin, merci à tout à l'heure. 21 unités, à tout à l'heure. Tout à l'heure.
c'est là, c'est bien la N104, autoroute complètement fermée. Vache. Secours, il y a beaucoup de SAMU. Et vu l'état de l'avion, bien sûr. Ah mais si à ce moment-là le terrain est fermé, peut-être parce qu'ils veulent ausculter la piste, regarder s'il y a un problème qui gonfle. C'est peut-être passé un truc au niveau de la piste. Hein. Oui mais ça doit être rapide. Bon peut-être il a ouvert d'ici. Pas très longtemps. Voilà, Nicolas a dû appeler la tour, il est en train d'écrire. J'espère qu'il faudra une bonne nouvelle. Le terrain devrait rouvrir rapidement. Ils ont fermé pour coordination les secours. Elle ne voulait pas d'auto-info pendant ce temps-là. D'accord. Donc peut-être on fait une petite escale à Colomiers et on repartira. À ce moment-là, sinon ce qu'on peut faire, c'est qu'on va vers Château-Thierry. On revient, on fait un vol. Ça fait voler, vaut mieux. Il vaut mieux voler plutôt que de rester au sol. Là, où c'est Château-Thierry, c'est là-bas. Là, exactement là, il fait manche, je devais aller. Ah ben en plus, ça tombe bien. Allez, on va à Château-Thierry. Non. Merde, hey. Et ça va se dégrader encore, non, parce que... Ah ben on verra, il est riche, il a duré. Pascal, on va pas faire de crash le même jour, ça sera trop. Ouais, je suis pas volontaire pour un crash. Non. Juste pour voler. Bon, alors on va prendre pied, on est au plan de vol. Arrivons à droite là-bas. On est sous plan de vol parce que... On va faire un rien tour de Fox Victor Charlie, bonjour. Victor Charlie, bonjour. Golf Oscar, Victor Charlie 1, achat de sang, France, de Rouen, à destination de Saint-Cœur. On change de route à 22. C'est pour transiter la destination de la santé. On change de route, on prend la route de 0-30. Non, c'est quoi, lui d'arriver comme ça, on va faire ça. On va arriver au plus vite parce que ça est en train de se dégrader. C'est vrai? Ouais. Ah bon? C'est ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, c'est ce qu'ils ont annoncé. On se pose, tranquille, on verra qu'est-ce qu'on fait après, selon la météo, selon... Après, la hélice, ça part rapidement. Quand ils disent pas rapidement, l'autre fois, ça durait, une demi-journée. Hein. Quand ils ont dit rapidement. Ça arrive de personne à bord, un transpondeur 7000 et 2400 pieds au PNH. 7012. 7012 pour Robert Eco. Victor Charlie, le transpondeur c'est 70, unité 0. Transpondeur 70, unité 0, Fox Victor Charlie. Bon, bon, tu reconnais Jean-Luc là. Quand il est passé un certain nombre de fois. Là ouais, c'est la barre avec tous les méandres. Ah oui, d'accord, ouais. Jean-Luc, il faut dire oui parce que si tu dis non, il va aller te montrer. Hein? Je dis, il faut dire oui parce que si tu dis non, il va aller te montrer. Il va dire, mais non, c'est bon, j'ai vu. on connaît très très bien. Ouais. On l'a jamais vu. Oh, regarde, il y a une tour Eiffel là-bas. De notre colonie maintenant, Pascal. J'aimerais bien aller voir la tour Eiffel. Bonjour le SAMU 02, l'hélico, on a décollé d'hôpital de Lan, on fait route vers le secteur d'Asnières-sur-Oise. C'est du côté du point Luzarche.
l'entrée parisien, c'est pour un primaire en AVP. Et nous sommes actuellement à 1500 pieds, 1370-15, 4 POB. Température SAMU 02, vous êtes identifié 70-15. Très merci. On va... Attends, ce que je propose, c'est qu'on les quitte pour écouter la liste. Ah, donc on va publier. On a 5 oui, minutes, minutes, on a 1 minute pour écouter la liste et après on fait le... Roméo Echo. Roméo Echo 5. Seine 134-3, au revoir. Seine 134-3, au revoir et merci monsieur. Merci. Contact, on l'équipe. Ouais. C'est l'information du X-ray Oscar. X-ray Oscar. Donc c'est l'information X-ray Oscar. Pour vous quitter, on est à 4 minutes de Colombier. 7000, au revoir. 7000, au revoir, bonne fin de journée. Tout degrees of X. Between 90 degrees and 25 degrees. On les entend pas bien encore. Non, on est un peu loin. Bon. On est avec Colombier, on est à 3 minutes. Pas de projet à Colombier, on repère après. C'est aussi en plus de phase pour la 27. En face. Et Colombier de Fabrique au Québec, on est à l'ouest de l'installation en direction de Logne, on fait sa fréquence 1200 pieds, mon vol. Là on peut écouter l'info. Ah non, il n'y a pas de trafic sur Logne. Ah non. S'il n'y a plus rien, on est obligé d'entendre grand chose. Et là, elle a dit destination Logne, donc... Oui, oui, c'est pour ça. À 3 minutes de... Ouais. Je peux t'es avec Colombier. Je t'ai en vue. Et je peux les contacter. Là, ça doit être la 27 en service. Colombier, information du Fox X-Oscar, bonjour. Colombier, Fox, Golf, Mike, X-Oscar, DR400. 2200 pieds, nous arrivons par le nord-nord-est des installations. Personne sur la fréquence. Ils sont allés où tous les autres? Ils sont peut-être repartis. Bon, bon, je... bon, on reçoit rien. Colombier pour rester radio. 122 205. Ah ouais, c'est ça. J'avais noté. Bon, comme on n'est pas pressé, ralenti. On va descendre de 700 pieds, de 500 pieds au-dessus du terrain. C'est beaucoup monsieur, tout à l'heure. Bon, la radio fonctionne. Il n'y a rien sur le... Colombier d'X-ray Oscar pour essayer radio, c'est plein de réflexion. Merde, X-ray Oscar. Voilà, peut-être qu'il y a plus de 500 pieds au-dessus. 700. Arrive 102, je te laisse regarder la biroute, tu me dis,
confirmer que c'est bien le 09. Starter de Kilo Tango. 27 Nord. Est-ce qu'il y a une de celles qui est venue chercher, qui vient chercher ou pas? À plein heure là, toi t'as l'enfer. Colombien, information, nous arrivons en vertical terrage. La visuel sera planeur sur la 27 gauche. Je prends vers le nord. On prenait bien confirmation que c'est le, la 27 gauche. On avait bien la confirmation que c'est pas le moment de se poser. Mais... Ok, pas de doute sur le 6. Info du Fox Mike Bravo, je suis vertical 1700 pieds juste au nord du terrain, le pas d'activité planeur pour le moment, on peut se poser? Non, on peut se poser, ouais, c'est bon, il tourne le planeur. Ok, visuel, le planeur est en manœuvre, il va pas décoller. Donc on s'intégrera en début de vente arrière sur la 27 en bas à droite pour un complet. Fox Mike Bravo. Fox X-Rosca. N'importe quoi. Jean-Luc? Ouais. De les bâtiments qui sont là? Ouais, c'est le truc de cinéma, ouais, ça. C'est tout récent. Alors, ouais, ouais. On est là, ok. Alors, je mets la réchauffe. Donc je déborde un petit peu, puis je vise devant derrière. Ok. À 1002. Ouais. Tu peux essayer d'écouter, voir si on capte. La truc est fait. Informez le premier contact que vous avez reçu. Information Juliette, merci. Good day, this is information Juliette. Recorded at 1425 UTC. On the news to 6. Cross and hazard. Wind 220 degrees, 8 knots. Between 190 degrees and 250 degrees. Papa novembre en vente arrière pour la 27. NH 1014. Sunset 1905. Informe, il y a des chers contacts. Première formation du Fox X-Oscar. Finalement, l'ONI est réouverte, donc nous quittons par le secteur ouest. Nous sommes à 30 secondes du golfe. Ils ont ouvert l'ONI? Oui. Ouais. En toute la fréquence, c'est bon? Oui. 34 UTC, informez l'ONI, premier contact que vous avez reçu. Information Juliette, merci. Good day, this is Juliette sur la 26. On est à 5000. Voilà, merci. On va bien en croisière, on n'y est pas vite. À 1200, hein, t'as besoin de remonter. Ah ouais. Alors je descends 1200. 1200. Voilà, l'autoroute est là-bas, on rentre à la maison. Fox Eco-Québec, vite 26 tours, autoroute d'atterrissage en 230 degrés, s'il te plaît. On atterrit tout seul en plusieurs fois, Eco-Québec. Et chouette cet éclairage quand même, hein. C'est pas mal, c'est vrai, pas mal, c'est pas mal. Regarde à droite un peu là, ouais, non, la non, mais... t'as vu? Ça renforce les couleurs, on voit bien. Bah j'ai pas vu, pas sur le 51 51, bonjour. Vers la pompe de WCT, pour la mise en route, c'est le retour sur le stador. Du retour sur, j'ai pas copié. Sur le stador. Le 51 mise en route, peut-être qu'on sera plus près de transiter. On est en route, on va pour la transition. Donc pas de volée, pas de pompe, pas de réchauffe. Et on descend 1200. C'était à 2 minutes d'écho. Non, pardon. C'était à 15 minutes d'écho. On est 3 minutes d'écho là-bas, oui. 4 minutes d'écho. Dans le tour du Fox Golf Mike X-Oscar, bonjour, avec l'information en Juliette de retour sur l'œil. X-Oscar, le tour, rebonjour, transpondeur 37-31, rappelez écho. 37-31, fiché pour X-Oscar, en rappel écho. Donc
qu'en fait l'avion qui était à Koulobi rentrait bien à la maison pour il devait y avoir l'info. Ouais. C'est pas mal comme ça, c'est pas mal du tout. Ah, il s'est arrêté lui, normal. 10h35. Direct ou Ah ouais, direct. A priori, il va nous donner une directe, donc depuis, oui, même avant moi, il y a beaucoup de monde, mais a priori, il n'y a pas de trafic. Ouais. Peut-être même avant Echo, tu peux commencer à réduire, si tu veux. Une minute avant Echo, déjà. Non, encore 2 minutes. Ah bon. Je te dirai, dans 1 minute, je te dirai, tu peux commencer à... Une minute, ça me paraît un peu... Oui, dans 2 minutes, c'est vrai, Echo. D'accord. Surtout qu'on a un vent de face qui est un peu important quand même. Ouais. Parce que sans le vent de face. Hein. Alors on va se mettre un peu plus sur l'autoroute quand même. On regarde le trafic des voitures. Ouais. Ah bah ouais, ça a dû foutre le bordel sur l'autoroute aussi. Ouais. 4 bizarre parce que finalement ça bloquait le trafic montant sur l'autoroute. Ouais, mais t'as beaucoup de gens qui sortent à la 104. Ah oui. Et fait que là pour le coup, bah de toute façon je vais te déposer à la gare. Ouais, on va faire comme ça, ouais. Le temps, ça va être dégagé, le temps qu'on se gare et toi là, on fait des papiers. Alors là... Vu le merdier que t'as en bas là... Ah ouais. Donc t'es à 1 minute d'écho. Et tu veux commencer à réduire, réchauffe quart d'heure. Allez, je mets déjà la... 2051, on est prêt pour la translation. La réchauffe. 2051, vous pouvez translater pour la 26 gazonnaire, appelé près aligné vers 210 degrés, s'il vous plaît. 210 degrés, on translate pour la 26 gazonnaire, après le rapport de glace. On t'a pas de direct encore. Hein. Exécuté pour direct 26 sur numéro 1, rappelez final. Super, voilà, pour rapprocher le directeur 26, je vous rappelle le final, oui, crois. Alors la bombe, on est 2200 pieds, quoi qu'il ruise, en neuf, on réduit. 2051, piste 26, gazonné, autorisé décollage, vent 210 degrés, 7, si vous souhaitez un virage droite, l'autoroute, c'est approuvé. 2051, ça dit, on décolle, ce sera un virage droite après le décollage. Mais c'est sur la 104 qui s'est crashé, c'est sur la 4 qui s'est crashé. Ah non, c'est la 4 peut-être. C'est la 4, c'est là-bas. Alors, concentre, oui, mais reste en... Priorité, pilotage. Ouais. Seigneur, bonjour, du Fogg Gézel. Fogg Gézel, Seigneur, bonjour, on prend la 3730, rappelez Echo. On n'est pas dans 3730, Juliette Golf, on vient de redécoller de Fontenay pour une base main gauche, si possible. Voici Juliette Golf, frappez 30 secondes de la base main gauche. On rappelle 30 secondes, base main gauche, Juliette Golf. Alors, un palier. Légèrement de gauche, 12 nœuds. De volée, pompe, réchauffe. On est en finale.
Pas du tout, il sera Oscar en finale, 26 du retour à complet. Fichera Oscar, piste 26 dur, autorisé atterrissage en 230 degrés Celsius. Autorisé atterrissage 26 dur, Oscar. On passe des hautes tensions forte. 2051, vous pouvez quitter la fréquence, pas de retour sur la ligne dans la journée j'imagine. Non, pas prévu pour aujourd'hui. Vous pouvez quitter bientôt, merci pour tout. Ouais, merci, bon courage à tout le monde, merci, au revoir. Delta novembre, le New Tour, bonjour, alignez-vous et attendez piste 26 dur. Voilà. Delta novembre, je m'aligne et j'attends 26 dur. Désolé. Bon. Léger mauvaise coordination. Pas de... Fox, Delta novembre en piste 26 dur, autorisé décollage en 240 degrés vineux. Autorisé décollage piste 26 dur, Delta novembre. Car maintenant avant point d'attente, veillez la tour 118 décimal 6. Et je veille et je... la tour 118 6, maintenant Oscar. Et maintenant avant le point d'attente. Et je maintiens, maintenant Oscar. Venu de sol, extra Oscar, 26 dur, dégagé devant le roulage au parking Sani. Ok, extra Oscar, roulez qui Sani. Je quitte la salle d'Extra Oscar, vous pouvez clôturer notre plan de vol, s'il vous plaît. C'est fait, Fox Extra Oscar. Merci, Extra Oscar. Ah oui. Il y a du monde à la tour. Et les SAMU, c'est pour ça, les SAMU sont arrivés, il lui a dit merci pour tout. Bah. J'ai vu, je pense que ce que j'en ai vu, des parties de l'avion, non? Hein? Ce qu'on a vu, c'était pas l'avion? Ici? Mais en fait, il est sur la 4. Oui, mais voilà, j'ai pas parlé, pour ne pas le déconcentrer. Ouais, bien sûr. Ouais, mais oui, j'en avais l'avion. Ouais. En fait, c'est au niveau des lignes de haute tension qui passe devant le supermarché, là. Ah, si c'est pris des lignes de haute tension. Waouh. Il va mettre à droite, là. Ah, on est dans l'axe, 200 tours. Il est parti comme ça. T'avais remis trop de gaz? Non, c'est l'inverse. Attends voir. 16h44. Alors, 16h. Mais comment il a pu se planter là, hein? 44, et donc ça fait 668. 46, 47. Tu vois, ça fait 1h54. Tu peux nous libérer s'il te plaît? Ouais. T'as pas besoin de... Bon. Bah, décidément. Voilà.
Bon, hormis l'atterrissage, un truc bizarre là. J'ai dû arrondir un iotato par rapport à la vitesse que j'avais. Ce qui fait qu'en fait. C'est-à-dire T'avais encore trop de. Non, parce de qu'à un moment donné, j'étais un peu trop rapide. D'accord. Après, j'ai tout réduit, mais ça a cassé la vitesse. Et donc, tu as remis des gaz. J'ai dû remettre un peu de gaz. Oui, quand ça. J'ai touché, et en fin de compte, j'ai repris de l'incidence. J'ai repris de l'incidence et ça m'a renvoyé en l'air, pile à ce moment-là. Donc il y a un truc moyennement coordonné. Quoi. Est-ce que je pense même être tardé ? Oui, enfin, moi j'ai eu la poussée, il y a eu un peu comme ça. Oui, enfin, il y a eu un petit quelque chose quand même, légère remontée. Donc bon. Donc bon vol, mauvais atterrissage, donc mauvais vol. Qu'est-ce que c'est que ce pilote de malheur là ? Allez, bon, on se dit à. Par contre, là, on ne vole pas avant un petit moment. Ah oui, là. Alors, on s'est dit au mois d'octobre. Ouais. Pas de vol avec les Jeux Olympiques, là. Donc, on verra bien. Ça simplifie la vie. Hein. On aurait pu, mais vu les conditions. Bon. Tant pis.